Développé par le studio japonais Polestar et édité par Pakin Video, Magical Poppen est sans conteste l'un des derniers grands titres de la Super Famicom. Mais c'est aussi l'un des moins connus. Il faut dire que ce jeu d'action plateforme est sorti uniquement au Japon en 1995, période où les joueurs ne juraient que par les récentes machines 32 bits. Un destin malheureux pour cette cartouche qui avait pourtant tout pour marquer les esprits. Le joyeux royaume de Toal est victime d'une attaque lancée par le roi démon. Ce dernier s'empare du puissant joyau magique. Mais la princesse, qui s'avère être une magicienne hors pair, se lance à la poursuite du sinistre personnage. Débutant dans la ville de Toal, cette traque va emmener la jeune fille dans une immense forêt, une montagne abritant de multiples grottes, un magnifique palais céleste et enfin une gigantesque forteresse. En apparence très classique, Magical Poppen bénéficie du savoir-faire japonais en matière de jeux de plateforme. Avec sa tenue faisant directement référence à Link, le héros légendaire de la saga Zelda, la petite magicienne entraîne le joueur dans l'une des plus belles virées qu'ait connue la 16 bits de Nintendo. Dès le premier stage, la nervosité du gameplay et la qualité du level design sautent aux yeux. Et pourtant, Magical Poppen ne réinvente pas la roue. Avec son héroïne usant d'une épée pour le combat rapproché et d'une panoplie de magie pour les attaques à distance, la formule est un peu plus classique. Mais la recette est tellement bien exécutée que le plaisir de jeu est constant. Les développeurs ont mis en place un système de sorts qui est au centre du gameplay. Les différentes magies sont affichées en haut de l'écran et c'est avec les boutons L et R de la manette que l'on sélectionne un sort. Au départ, seul le premier pouvoir est disponible et le joueur devra dénicher les suivants dans chaque nouveau stage. Parallèlement à leur rôle offensif, ces sorts sont aussi indispensables pour progresser, qu'ils servent à faire disparaître un mur de feu, à faire usage d'un grappin ou à détruire divers éléments bloquants, ils sont parfaitement intégrés au level design. Chaque magie est également liée à une super attaque, que l'on peut déclencher à tout moment. L'emploi de ces capacités n'est toutefois pas gratuit, et il en coûtera systématiquement quelques étoiles aux joueurs. Une monnaie d'échange que l'on trouve ici et là sur le parcours, dans des coffres ou après avoir abattu certains ennemis. Des ennemis assez loufoques d'ailleurs, qui participent à l'atmosphère bon enfant du jeu. Avec un niveau de difficulté parfaitement dosé et des stages de plus en plus vastes au fil du périple, le parcours proposé par Magical Poppen est un véritable régal. Les derniers stages s'avérant assez ardus et labyrinthiques, les développeurs ont eu la bonne idée d'opter pour des continues illimitées. Une générosité qui n'entrave en rien le challenge, mais évince tout sentiment de frustration. De plus, la jauge de vie, représentée par des cœurs, peut être régulièrement rechargée par des bonbons ou d'appétissants gâteaux. Il est aussi possible de gagner des réceptacles de cœurs supplémentaires en passant au peigne fin le moindre recoin des niveaux. L'exploration intensive est donc vivement conseillée pour espérer survivre jusqu'à l'ultime combat opposant la courageuse princesse au roi démon. Si le gameplay est irréprochable, l'aspect esthétique l'est tout autant. Les graphismes sont extrêmement soignés et les effets visuels propres à la Super Famicom utilisés à bon escient, sans esbrouves inutiles. Un véritable travail d'orfèvre que les amoureux du bon vieux pixel à l'ancienne sauront apprécier à sa juste valeur. La partie sonore s'en sort également très bien avec des mélodies très plaisantes, des bruitages convaincants, ainsi que quelques voix numérisées fort réussies. Pour l'anecdote, c'est Iijima Ai qui prête sa voix à la princesse. Actrice dans des films destinés aux adultes, mais aussi mannequin, chanteuse et écrivain, elle décédera malheureusement le 24 décembre 2008 à l'âge de 36 ans. Rejouer à Magical Poppen aujourd'hui procure toujours un immense plaisir, c'est indéniable. Mais comment une production d'une telle qualité a pu sombrer dans un anonymat aussi profond? Sa sortie sur une Super Famicom en fin de carrière et l'engouement pour la 3D ne l'ont certainement pas aidé. Néanmoins, on ne peut s'empêcher de penser que si cette merveille était passée entre les mains d'éditeurs plus en vue comme Capcom ou Konami, le destin se serait peut-être montré plus clément. Quoi qu'il en soit, il n'est jamais trop tard pour découvrir de véritables joyaux du jeu vidéo, et celui du studio Polestar brille encore de mille feux.